quelques parents. Je vais faire une vidéo sur les contenus d'enseignement que l'on fait au maternel. Alors pour ça, vous pouvez le faire sur un canapé, sur un lit ou alors tout simplement sur un plaid que j'installe ici là par terre pour faire les combats que je voudrais vous montrer. Alors, je vous présente Tom qui est en maths sup et qui va pouvoir nous aider à faire ces mini combats. Alors, c'était un peu nos positions que vous allez faire. Donc, mettons en face, Tom. Du jeu, donc c'est de le mettre sur le dos. Voilà, vous pouvez donc vous amuser avec votre enfant, l'attraper. L'important, c'est donc le coup du volant par exemple. Hop, de ce côté-là. Ou bien sûr, l'avantage du coup du volant, c'est de ce côté et de l'autre côté. Et tout de suite, vous cherchez à immobiliser. Voilà, en garde comme ça là, sur la pince de crabe. Ça, c'est le premier. Le deuxième, vous avez. Par exemple, vous placez ici la petite cuillère. Vous venez chercher le genou et tout de suite, hop, voilà, vous le faites tomber sur le dos, hein, dans un sens, pareil, ou dans l'autre. Voilà, hein, d'accord. Et tout de suite derrière, vous cherchez à faire une immobilisation. Hein. Voilà. Et vous l'avez. Okay, voilà. Pour la première, la deuxième, pardon. La troisième, ce que je leur apprends aux enfants souvent, c'est d'aller chercher. Par exemple, le genou derrière et le soulever. Voilà, d'accord? Une fois qu'il est soulevé, là, pareil, toujours, on immobilise et on garde. Donc, vous pouvez vous amuser avec votre enfant et vous essayez de vous mettre en opposition contre lui, d'accord? Allez, à gymnée. Et on essaye à chaque fois, donc, de le mettre par terre. Hop, hop, et voilà. Gentiment. Voilà, 1, 2, 3. 4, 5, c'est gagné. Alors, vous pouvez cumuler différentes choses. Vous avez aussi, par exemple, quand vous attrapez, vous cassez la force et hop, le coup du volant. D'accord? Cassez la force, le coup du volant, dans un sens ou dans l'autre. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure aussi, vous pouvez aussi attraper le genou vers l'intérieur. Voilà, d'accord? Et tout ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire dans le lit et sur un canapé ou sur un plaid dans le jardin. Et vous faites un peu d'opposition. Voilà pour les combats, pour retourner votre adversaire et pour faire des mini-jeux d'opposition. Il y en a un dernier que je vais vous montrer. Alors, pour ça, il vous faut un ballon, d'accord? Et Tom va le défendre. Donc, c'est une poule qui défend son œuf. Voilà, il se met en position de défense. Et là, bah, vous avez, bah, par exemple, 20 secondes pour essayer d'attraper. Alors, il faut le mettre sur le dos. Voilà, une fois qu'il est sur le dos, bah, en fait, il faut tout faire pour essayer de l'attraper. Tant qu'il a les mains dessus, eh bien, c'est lui qui gagne. Dès que j'arrive à lui enlever, eh bien là, c'est moi qui gagne. D'accord? Voilà. Puis après, bien sûr, on change de rôle. Vas-y, Tom. Battez! Alors, on va attaquer un dernier combat. Ici, on se met là. Voilà. Donc, à l'intérieur d'un plaid, par exemple, d'une couverture que vous mettez par terre, le but du jeu, c'est de se sortir. Dès qu'il met une partie du corps à l'extérieur de la ligne, à l'extérieur du plaid, il a perdu ou vous avez perdu. Donc en fait, pareil, hein, toujours, on essaie de se pousser. Si jamais, voilà, il met la main ici, il a perdu. Donc vous pouvez faire des jeux d'opposition avec vos enfants, des sortes de mini-combats en situation qui vous permettent de vous entraîner à faire le judo. Alors vous avez aussi comme échauffement, je vous parlais des déplacements d'animaux, vous avez l'araignée, et il y a un exercice particulièrement intéressant pour les maternelles de l'araignée sur place. Donc c'est une sorte. On se met en place et en fait à chaque fois il faut pas poser les fesses par terre, d'accord? Vous pouvez terminer votre petite séance de judo à la maison par un jeu et vous demandez à vos enfants de faire 1, 2, 3 mater. Vous verrez, ils vous expliqueront. Ça marche très bien et ils aiment ça. Je vous souhaite un bon confinement. J'espère qu'on va reprendre vite le judo. Sachez que vous nous manquez et que j'ai hâte de vous revoir au club. Au revoir. Allez, pousse, pousse plus fort. Alors, ça marche pas, alors qu'est-ce que tu fais? Non, d'abord, tu casses ta force et pousse. Allez, ah, toutes tes forces maintenant, plus fort, plus fort. D'abord, tu veux pas casser la force. Vas-y, Hajime. Hop, casse ta force. Ah oui.
Allez, pousse. Ah. Allez, maintenant, plus de crabe. Hop, la jambe.